Lisons dans Exode chapitre 3, depuis le premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jethro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quel est ce grand buisson et pourquoi le buisson ne se consume pas. Le père dit que se détourner pour voir et dit. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et tout. Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Tu es bien approché d'ici au soulier de tes pieds. Car le lien sur lequel tu te tiens est une très sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Le père dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est dans l'Égypte. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour me délivrer de la main des Égyptiens. Pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays. Dans un pays où coulent les Léniennes. Dans le lieu capite les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens. Les Pérésiens, les Tréviens et les Gibousiens. Voici le cri d'Israël, sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que les font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir l'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi les signes que ce moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir l'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et qui m'en appelle? Priez-moi à Dieu. Alors que nous avons une très bonne atmosphère. Pas de chaleur. Et puis tu veux qu'on puisse nous venir en aide et nous vivre quelque chose de consistant. Quelque chose qui va aider notre foi. Quelque chose qui va aider notre vie. Et qui va nous aider de nous approcher davantage de lui. Qui peut devenir le prédicateur à l'aide. Et que sa présence soit au milieu de nous. Tous ensemble dans sa présence. Et selon ce nombre, tout est possible. Les êtres d'en témoigner. Oh.
Dieu de miséricorde, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout nom excellent. Nous venons bénir ta parole bénie comme n'importe qui peut le faire. Mais tu as dit dans ta parole que la lettre tire, mais l'esprit vivifie. Tu es le grand esprit qui vivifie la parole. Raison pour laquelle nous t'étendons la main comme ce jeune prédicateur qui prêchait, venait te saluer, disant qu'il chargeait sa patrie. Nous t'étendons la main pour que tu puisses nous écarter du chemin. Comme il a été dit que les dons c'est un moyen que Dieu dispose pour mettre l'homme hors du chemin et pouvoir l'utiliser. Accepte de prendre maintenant la direction de toutes choses. Accepte que ta parole nous soit accordée maintenant, alors que nous te la demandons en ton nom glorieux gravé dans les rocs. William Marion Branham, la parole très chère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de me retrouver encore au lieu de la chair ce soir. C'est Pélimi qui a porté les malissus et les baillons encore par les lots. Pour partager avec vous sur la parole du Seigneur. Je suis très heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Il y a d'autres avec qui on s'était séparés depuis le dimanche passé. Les autres, c'est depuis le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse pour les sacrifices que vous avez fait pour être là aujourd'hui. Il a dit que quand vous faites le sacrifice pour aller à la réunion, c'est alors que vous allez recevoir beaucoup de la réunion. Ma prière est que Dieu puisse vous accorder ces beaucoup-là. Et alors, le dimanche passé, nous avons parlé d'un sujet qui m'a poussé à ajouter un autre aujourd'hui. Je vois le figure des hommes de Dieu au milieu de nous. Le révérend Gignon, le révérend que le très haut bénisse. Et tous les serviteurs de Dieu que le très haut bénisse. Et quand j'étais au bureau, j'ai suivi que nous avons deux visiteurs, si je ne m'abuse pas. Nous leur demanderons de nous suivre avec attention parce que nous allons marcher avec la Bible et le message. J'ai aussi des invitations pour le chapitre que nous aurons du 20 au 22 octobre. Du 20 au 22, nous allons recevoir les Branham ici pour parler des événements de William Branham. Comme je vous l'avais dit depuis la semaine passée, vers la fin, nous allons vous donner ces invitations pour que vous puissiez le multiplier et appeler Satan que vous connaissez. Au mois d'octobre, il y a des grands événements et nous devons nous rassembler pour parler de cela. La première création des écureuils, c'était le 8 octobre. Deuxième création des écureuils, c'était le 22 octobre. Le mariage de Branham avec Meda, c'était le 23 octobre. 1946. La tempête qui a été arrêtée au Colorado, c'était le 24 octobre.
1963. Ce sont des grands événements parmi d'autres. Et les hommes de Dieu vont défiler de la chaîne pour nous apporter quelque chose là-dessus. Celui qui pense nous parler de la création des écureuils, il va le faire. Celui qui pensera nous parler du mariage de William Branham, et pourtant nous l'adorons, mais il s'est marié, il va nous parler. Celui qui voudrait nous parler de la tempête de Colorado et même des tempêtes qui se trouvent dans nos vies, il va nous parler. Et cela va commencer le 20 octobre, un vendredi. Et nous allons terminer le 22 octobre. Nous avons été avec le pasteur Levi, le pasteur Tenda, le pasteur Shalom, le pasteur Bo, tous ces hommes ont dit de fermer les portes des églises et seront ensemble avec nous ici. Afin que nous puissions voir les événements inoubliables de notre Seigneur William Branham. Nous ne pouvons pas oublier cela, ce sont des événements du jour. Dieu nous recommande de nous rappeler, de nous souvenir de ce qu'il a accompli. Et alors que nous avons des invitations là-bas. J'ai eu un petit travail de rassembler des grands événements de chaque mois, tous les 12 mois. Et j'ai déjà même envoyé cela à certains prédicateurs pour que chacun puisse comprendre que les mois de janvier, il y a Issa, le mois de février, il y a Issa, et tous les 12 mois, le Seigneur Branham a accompli des grands et alors des grands miracles. Et alors c'est tout un chapitre que nous ouvrons pour nous rassembler, soit ce sera ici, soit nous pouvons nous retrouver dans une de nos églises sœurs et parler des grands événements inoubliables de la vie de William Branham. J'aborde l'évangile que je voudrais prêcher aujourd'hui. C'est un message un peu bizarre. Les dimanches passés, nous avons parlé du grand Élisée d'aujourd'hui. Si je commence à faire un pas en arrière là-bas, je montrerai comment atteindre le but aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à vous dire, des fois le temps nous fait défaut. Et des fois je me dis, faudrait-il se rassembler la nuit, prendre toute une nuit pour parler d'un sujet en profondeur. Et qu'est-ce qu'il faut faire au juste? Mais le peu de temps que nous avons, nous croyons que lorsque nous les donnons, le Holy Saint-Esprit va vous aider à saisir davantage. Et nous venons de lire dans Exode chapitre 3, nous avons vu le grand monsieur Moïse, le libérateur, un monsieur qui avait oublié la mission que Dieu lui avait confiée à cause de la déception qu'il avait rencontrée parmi les enfants d'Israël.
après la déception, il a fui, il a abandonné la mission qu'il avait. Comme n'importe quel homme pourrait le faire. Il a même oublié la mission qu'il devait accomplir. Il est devenu un berger des animaux. Il ne se souvenait plus encore qu'il était le leader, le libérateur. Mais l'Éternel Branham déclare ceci. Et si Dieu vous a confié une mission accomplie, n'importe ce qui peut arriver, il te conduira à accomplir cette mission-là. Parce qu'avant de vous confier cette mission, il connaissait toute votre vie sur la terre. Il connaissait le haut et le bas. Il connaissait les difficultés que vous deviez rencontrer. Il a tout vu avant votre naissance. Et il a dit qu'il accomplira cette tâche. Et il vous confie cette mission. Peu importe ce qui peut arriver, il vous conduira à remplir la mission pour laquelle vous êtes venu. C'était la même chose avec Moïse. Il avait oublié la mission. Il avait reçu la déception. Les enfants d'Israël lui ont dit, qui a meurtrié toi et Moïse? Qui a tué et qui vient nous tuer aussi? Moïse a compris que son fossé était dehors. Il a fui. Et quand il s'est mis loin de l'Égypte, il a compris qu'il ne sera seulement rien. La vie, c'est peut-être les imaginations de ma mère. C'est peut-être les imaginations de moi-même. Les enfants d'Israël recevront un leader à un autre moment. Je dois changer la vie maintenant. Je vais chercher autre chose à faire sur la terre. Et il est devenu un berger. Et fait voilà un pied, il a ramassé un bois sec dans le désert. Il commençait à conduire les brebis avec cela. Un vieux papa qui a oublié la mission. Et alors il venait de déposer les brebis de l'autre côté de la montagne. Très fatigué pour se reposer un tout petit peu. Et lorsqu'il se retire un tout petit peu pour se reposer, et directement il va voir la grande vision. Le Dieu qui n'oublie jamais ses promesses. Le Dieu qui ne change jamais ses programmes. Le Dieu qui est différent des êtres humains. Moïse a dit les puissants en feu. Lui qui était un chimiste. C'est un ami, Moïse avait fait la chimie. Et pendant qu'il était en train d'observer cela, il pensait même prendre une feuille pour aller faire l'analyse. Et comprendre quelle est cette matière qui fait que le feu puisse briller, mais ça ne vous en, ça ne se consume pas. Pendant qu'il était en train de se poser toutes ces questions, c'est alors que la voix sort de ce buisson ardent. Et cette voix qui est sortie de là a appelé Moïse par son nom. Il ne le connaissait pas son nom. Cette voix n'a pas donné le nom de Moïse. Je suis en train de voir beaucoup de choses que je peux vous dire là-dessus. Est-ce que vous aimez faire voilà? La voix dit Moïse, Moïse. C'était un deuxième élément qui devait encore le marquer. Le puisson a fait. Ça ne se consume pas. Ça l'a tiqué. Deuxièmement.
La voix sort de là. Elle appelle par son nom. Moïse, Moïse. Il a dit ça, c'est du surnaturel. Ça, c'est du jamais dit. Je dois écouter cela. Et la voix lui dit, n'approche pas. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Ah là, Moïse a senti que non, je dois avoir quelque chose maintenant. Il a dit, oh maman me disait la vérité. Je viens pour le rencontrer ce monsieur. C'est le même qui avait parlé à ma mère. Et maintenant il me dit, je suis le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce qu'il va me dire alors? La voix ajoute, j'ai entendu les cris. Le plaire des enfants d'Israël. C'est arrivé à moi. Frère, chaque fois que vous pleurez, chaque fois que vous criez, il y a quelqu'un qui reçoit ce prière. Le voisin n'est pas écouté cela. Ou un ami peut manquer de vous écouter. Il y a quelqu'un qui écoute vos cris. Et au temps qu'on est là, lui donne la réponse. Ma soeur, mettez-vous bien. Est-ce que vous allez faire madame? Bien que vous devez faire votre travail. Ne me rendez pas bien que pasteur au même moment. Les gars, ils vous bénissent. Il y a des cris des enfants d'Israël. Sont arrivés jusqu'à moi. Et je suis descendu. Moi, je vous vois. Je suis descendu. Pour aller les délivrer, je dois mettre fin à ces cris-là. Mais tu es descendu pour aller les délivrer. Tu prends ici, qu'est-ce que tu fais? William Branham dit, Dieu ne fait rien sans l'homme. Dieu a choisi l'homme comme l'instrument dans sa main. William Branham dit, Dieu n'a jamais choisi une machine. Par même le soleil pour prêcher la parole, mais il a choisi un homme et a dit l'homme prêchera la parole. Et Dieu lui dit, maintenant je t'envoie, allez-y. Et William Branham dit, c'est Dieu là sous la forme d'un homme. Maintenant mon sujet va commencer ici. Moïse lui dit, moi, elle m'a prié. Moi, ne connaissant même pas bien parler. Moi, réfugié. Je suis un réfugié. Je fuis là-bas. Un exilé. Tu me ramènes là où on est en train de me rechercher. Mais chercher une autre personne, je ne peux pas aller. Je vais lui dire, c'est toi qui dois aller là-bas, pas une autre personne. Est-ce que l'église est disposée? L'église est mon Dieu. Veuillez arranger mon micro avant la prédication. Envoie une autre personne. Je ne saurais pas partir là-bas. Il y a une fille qui est là-bas. Envoie une autre personne. Je ne saurais pas y aller. Je vais lui dire, je serai avec toi. Accepte de partir. Et Moïse lui dira, Moïse dit à Dieu, j'irai contre faire les enfants d'Israël. Je me dirai, le Dieu de ton père m'envoie des fruits. Et s'il me demande quel est son nom, je suis presque sur le point d'accepter ce que tu me dis là. Mais si j'arrive là-bas, il me demande ton nom. Pour la pousser, il peut me dire comment je vais aller.
Je verrai les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, que celui qui s'appelle je suis est Nazali. Moïse vient, il se tient ici devant vous. Et il dit, l'Éternel m'envoie, le Dieu de vos pères, envoyé pour vous délivrer. Et maintenant, nous lui posons la question. Comment il s'appelle? Et Moïse devant nous, il répond, je suis. Nous allons répondre. Réalisons d'abord le message. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel Dieu, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom de l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est ici où Jésus a eu des problèmes sérieux. Ils ont dit bon, le nom de Dieu devient Jésus. Et il a promis que mon nom d'éternité, de génération en génération, c'est Jésus. Nous ne sommes pas dans les problèmes du nom, bien que nous allons entrer là-bas. L'Éternel continue à parler à Moïse. Quand tu arriveras, qui fera ça? Qui fera ça? Moïse lui répond, je suis maintenant dans Exode chapitre 4, le premier verset. Après avoir écouté les noms, après avoir écouté toutes les promesses, toutes les assurances de l'accompagner, tout ce que Dieu lui a rassuré, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront l'Éternel est un point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent est devenu une verge dans sa main. C'est là qu'il l'Éternel. Ce que tu feras, afin que tu croies que l'Éternel est Dieu de leur père, à Paris, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voici mon sujet. Les bâtons de Moïse et ce mystère. L'idée de la mort, c'est paix, ma bombe à l'île en je
ça le sujet de aujourd'hui. J'ai eu cette inspiration quand je parlais d'Élysée et après son bâton. La donnée à Géasi, il va poser sur l'enfant, et l'enfant va ressusciter. Et William Branham dit, la foi de la femme n'était pas dans les bâtons d'Élysée, mais la foi de la femme était dans le prophète Élysée. Et je suis arrêté un petit moment et j'ai quelque chose à partager avec vous aujourd'hui. Mais le bâton de Moïse et ce mystère. Avant de lire le message, je voudrais dire ceci. Lorsque Jéhovah est descendu pour délivrer Israël, il n'était pas venu avec le programme du bâton. Cette verge de Moïse n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'est la cause de toutes de Moïse. À cause de résistance de Moïse, que l'Éternel va lui donner maintenant le bâton. Et Branham dit, ce bâton-là, c'était un bois sec ramassé dans le désert. Moïse avait ramassé ce bois sec dans le désert. Un bois qui n'avait pas de fille à l'intérieur. Un bois qui était sec. Des fois, Branham l'appelle un bois crochu. Des bois tordis. Il dit encore, c'était un bois noué. Il dit un bois sec. Mais un bois mystérieux. Un bois plein de mystères. Moïse marchait avec ce bois-là. Un bois sec ramassé dans le désert qui n'avait plus d'écorce, qui n'avait plus de vie à l'intérieur. Je vais lui poser la question. Je t'envoie à l'église, je serai avec toi, tu ne m'écoutes pas. Tu poses le nombre de questions. Il a jeté le bois qui était sec. A retrouvé la vie. Mais quelle fille? Fille du serpent. La vie du serpent. Après de marcher. Bye.
est Moïse. Parce qu'en nous parlant de Moïse, ce n'est pas de l'histoire. Moïse n'était qu'un homme. Aujourd'hui, je vais vous présenter Moïse sous un autre forme. Moïse était le Dieu vivant pour Israël. Moïse était la grande puissance pour Israël. Moïse était le sauveur, le libérateur, le leader d'Israël. Et croyez-vous comme cela? Maintenant, ce Moïse-là, c'est qui aujourd'hui? Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Paragraphe 105. William Branham déclare. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 105. Mais moi, vit Israël avec quelque chose que lui n'avait pas. Il ne vit qu'il y avait une grande puissance au milieu d'Israël. C'était un prophète. Et ce prophète était Moïse. La grande puissance d'Israël, c'était qui? C'était Moïse. À Kadesh Barnea. 61-62. Un jour là-bas, lorsqu'il gémissait et pleurait sous le maître d'œuvre d'Égypte, parce qu'ils s'étaient devenus des esclaves. Je désire que vous remarquez cette image magnifique. Et ce serait bon pour les légalistes. Dieu n'était jamais venu dire. Maintenant, si vous faites certaines choses, la grâce de Dieu a pourvu à un sauveur. Moïse, ce juste, et ça à son nom, non pas sous quelques conditions que Moïse fut amené, et cela quitté le mot qu'on a mais par la grâce souveraine, Dieu envoya Moïse, non seulement un sauveur, mais la grâce pourvue à un libérateur, sans aucune loi, simplement la grâce solennelle de Dieu. Quand je pense à cela, alors je commence à me souvenir que le même Dieu qui était avec le peuple d'Alliance en Égypte, sous toute rétention et l'indifférence dans laquelle l'Église se trouve ce soir, est-ce que vous êtes disposé ici? Israël et l'Église. Israël et l'Église. Le prophète Branham déclare ces choses. J'aime ces choses. Israël et l'Église. Israël et l'Église. Écoutez ce qui déclare. Je lis le paragraphe
Écoutez ce qu'il dit. Allez, les 12 premières parties. Moïse, qui verset 11 jusqu'au verset 25. C'est Moïse qui tant qu'il y a aux enfants d'Israël. Et c'est Moïse qui a voulu tenir une sac à la main à Israël. Pour qu'ils sachent comment les choses se sont passées là-bas. Il s'est identifié. Et alors qu'il fit cela, il pensait que le seul comprendrait qu'il était l'homme qui avait été envoyé pour le faire sortir de l'incertitude. Mais il ne le comprit pas. Et souffrait. Et salut Mongo. Oh mes amis. Oh Maninga. Comme c'est un petit peu merveilleux. Aujourd'hui, la chose même qui est venue pour délivrer le peuple, on en a peur. On a peur du libérateur. Moïse est le type d'un libérateur aujourd'hui. Parce que si nous voyons Moïse aujourd'hui, c'est alors que nous allons le suivre dans la main, parce que dans sa main, il a un bâton. Mais si vous n'avez pas de vous ne comprendrez pas le bâton de Moïse. Écoutez les prophètes prenants. Il y a un libérateur dont il s'était dit. Et ça n'est pas mon temps, moi, il y a un monstre à tel effet qu'il est éligné. Et qui est ce libérateur? Ça n'est pas mon temps, moi, il y a son nom. L'antitype de Moïse. Oh, il y a un salisson dans la mosse. Moïse était Dieu pour Israël. Monstre à Zarakindame pour Israël. Il n'était pas seulement Dieu. À Zarakindame. Moïse était capable d'atténuer la colère de Dieu. Monstre à Zarakindame pour qui a conquis qui s'est calé dans la mosse. Même si Dieu était fâché comment? Attends, son nom, ma fille qui m'a dit. Il se présente, la colère de Dieu permise. Et tout cela c'était le type des hommes. Même le bâton de Moïse était un type aussi. L'église se me suivait derrière. Écoutez les pensées prenantes. Il déclare ceci. Alléluia. Dieu dévoilé. Le prochain point, c'est cette déclaration. Je suis à la page 26e. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Écoutez. La parole devait être donnée en premier lieu à Moïse. Car Moïse avait la parole. Elle avait été écrite par Dieu. Et personne ne pouvait l'interpréter. Moïse devait l'interpréter. Voilà pourquoi il s'était voilé le visage. Voilà pourquoi Moïse s'était voilé le visage. Comprenez-vous, nous pourrions revenir en arrière. Mais auparavant, cette parole doit être révélée. Afin de la révéler, Moïse devrait être fait Dieu. Pour le peuple. Vous pouvez dire c'est innocence. Cependant, Dieu lui avait même dit, Moïse, tu seras Dieu. Il qui se rendait manifeste. Oh,
Moïse. Vous n'avez pas encore bien dit. Debout dans la bêche. Mais pour cette maintenant déclare. Écoutez ce qu'il dit. J'aime que vous les voyez bien. Nous avons l'habitude de dire Moïse et Jésus. Mais aujourd'hui je vais vous dire que Moïse était l'ombre de Jésus. Et Jésus était l'ombre de Moïse aujourd'hui. Écoutez ce que le prophète Branham déclare. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 40. Si Dieu en avait assez de supporter nos péchés et qu'il veut se débarrasser de nous parce que nous serons sans cesse